général Marc Osda, je commande le groupe aéronaval constitué autour du porte-avions Charles de Gaulle. En quelques mots, la mission Clémenceau 21, c'est plus de 100 jours de mer, 100 jours d'éloignement du port de Toulon, qui avait pour principal objectif tout d'abord d'aller frapper Daesh dans le théâtre irako-syrien au sein de l'opération Chamal, le volet français de l'opération Inherent Resolve, piloté par les Américains en coalition. Un deuxième volet qui était la maîtrise des espaces aéromaritimes, parce que pour pouvoir se projeter, il faut pouvoir maîtriser les mers. La mission Clémenceau est terminée et que je suis très, très fier et très heureux des marins du porte-avions qui sont extrêmement bien comportés pendant cette mission, qui ont atteint tous les objectifs qui nous avaient été fixés. Cette mission s'est faite dans un contexte un peu particulier de pandémie mondiale qui s'est poursuivie, donc avec une exigence forte de force morale pour les marins, et ils ont été remarquables. Et voilà, je voulais partager ça avec vous puis avec leur famille. Mais la mission n'est pas tout à fait terminée pour nous, puisqu'on repart cet après-midi pour conduire une campagne d'école de l'aviation embarquée. Donc il va s'agir pour nous de qualifier des pilotes de l'aéronaval qui sortent de leur formation initiale et qui vont venir apprendre à pointer sur le porte-avions de jour et de nuit. Pour moi, c'est la fin un petit peu de mon mandat ici, après deux années denses et pleines de satisfaction avec un équipage magnifique. Et je quitterai le porte-avions début juillet prochain. Effectivement, ce sera mes derniers jours de mer à bord de ce bateau, dont je vais profiter intensément. Qu'est-ce que vous en retirez de ces deux années à bord du Charles ? Ouais, c'est d'une richesse et d'une densité formidable. Ce que je retiendrai tout d'abord, c'est l'aventure humaine incroyable que ça représente et toute la richesse des talents qui sont au sein de cet équipage. Et donc ils m'ont offert vraiment de grandes satisfactions professionnelles. Et puis bien sûr la densité opérationnelle et la densité de ce bateau, qui est une expérience forte.